d'avance sur Etienne derrière David Woods. 48-45 pour Denis Chemont. Incroyable. 48-45. Etienne, il a l'air d'être au fond de la forme. Allez, Etienne. Voilà. Pour Denis Chemont, incroyable. 48-45. Etienne, il a l'air d'être au fond de la forme. Allez, Etienne. Voilà, alors effectivement. Etienne Dimout qui part de nous et qui passe à quelques secondes. Incroyable, 48-45. Etienne, il a l'air d'être au fond de la forme. Allez, Etienne. Voilà, alors effectivement. Etienne Dimout qui part de nous et qui passe à quelques secondes. Sa première boucle, mesdames, messieurs, il est là. Il représente la Belgique, champion du monde à Hawaï en 2014. Vainqueur ici, première participation en 2010, Frédéric Van Liert qui est parti avec la tête des bonjours. Hein. Regardez ça. J'avais dit tout à l'heure, hein, quand j'avais vu ce matin, hier soir, quand il a posé son vélo, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Il monte, il y a du son, 1,42 d'avant-soir, un peu plus. Ah, lui aussi, il y a du son qui coule la tête de l'avant-soir. Effectivement, on confirme que Frédéric Van Liern saigne également. Le championnat du monde 2013 à Hawaï qui a eu un petit problème tout à l'heure. Allez Fred, on l'encourage, la Belgique avec ce garçon qui a l'air d'être bien parti. Le demi-tour, il a terminé son semi-marathon. Je regarde son visage, ça a l'air de bien aller. On le retrouve, comme disait Jacques tout à l'heure, on voit sa foulée de 2013. Frédéric Van Liern, de champion ici. Allez, Frédéric Van Liern, qui vient de passer devant nous. Excuse-nous parce que je suis en train de discuter un peu bébé en fond de sa. Mais mesdames et messieurs, il attaque son dernier tour. Je regarde ma montre. Ce monsieur est un monument, ce monsieur est champion du monde, qui a rendu tout le monde, et tout le monde,